Vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien lu le titre. Le projet que je prépare depuis août 2020 voit enfin le jour. Il m'a fallu un an et demi pour lancer le projet. De base, je prévoyais de sortir le projet en 2-3 mois, alors ça aurait pu être possible, mais avec du recul, heureusement que je ne l'ai pas fait. Je vais vous expliquer en accélérant grandement les choses de pourquoi ça a pris autant de temps, parce que oui, j'ai quand même à vous justifier un an et demi d'attente, donc je peux pas bâcler ça comme ça. Si cette partie-là ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais raconter ma vie, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, je mettrai un timecode à l'écran, ça sera directement à comment fonctionne mon site, comment passer commande. Il fut un passé très lointain. Non, je déconne. Comme je l'ai dit, j'aurais pu lancer mon site en 2-3 mois. Peut-être par peur de me lancer ou par manque d'approfondissement du sujet, c'est possible. Je prévoyais de mettre en place un système de prestation de service, c'est-à-dire. Vous auriez été sur mon site, il y aurait eu une page appelée « Ma collection ». Cette page, elle aurait eu pour but d'avoir plein de photos de câbles avec différentes couleurs. Le but, c'était que vous puissiez vous inspirer. Donc, une fois le câble choisi, vous auriez rempli un formulaire. Donc, la couleur du câble, l'adresse, le numéro, etc. Vos informations, et vous aurez cliqué sur « Envoyer ». J'aurais reçu un mail et je serais revenu vers vous. C'est comme ça que ça aurait dû de base fonctionner, du cas par cas. En soi, ça aurait pu fonctionner, mais c'était pas intuitif. Donc j'ai pris du recul et je me suis dit « Comment je fais si j'ai plusieurs commandes ?» Parce que le système, là, mis en place, il est pas fait pour. Donc j'ai ajouté un bouton « Ajouter au panier ». En gros, j'ai transformé mon petit site, là, « Prestation de service » à « Revenir auprès des clients » à un site e-commerce. Mais c'était toujours pas intuitif. Le système où les clients devaient se rendre dans ma collection pour pouvoir s'inspirer, c'est pas naturel. Un site e-commerce a besoin d'être direct, t'arrives sur le site, tu vas pas chercher à droite, à gauche, machin, les redirections, non. Donc j'ai réfléchi, longuement, car j'avais plusieurs idées en tête, mais fallait que je trouve la meilleure. L'humain est de base indécis, j'ai l'impression, ça, tous au quotidien, le fait d'hésiter, je déteste ce mot, hésiter. T'es là, tu sais pas quoi choisir entre tel ou tel vêtement, la couleur, bah là c'est pareil avec les câbles, même pire, parce que tu sais même pas si telle ou telle couleur va aller avec ton clavier, avec ta souris, avec ton tapis de souris, ton PC, ton setup quoi, enfin... Donc j'ai choisi de baser les câbles sur des thèmes de keycaps. Plus tard j'ai même vu que Yonès c'est ce qu'il faisait aussi, et là dans ma tête, toutes les planètes s'étaient alignées, c'était plus intuitif. En plus de ça, pour être encore plus indécis, j'ai décidé de mettre plusieurs styles par thème. En gros, pour un thème, bah, y a plusieurs couleurs de câbles. Ah, je suis chiant. Il vient de se passer bien plusieurs mois entre chaque partie que je viens de vous raconter là, bien entendu. Mais ça ne s'arrête pas là. Un point très important que je tenais absolument à avoir, c'était des connecteurs peints. Ça m'a pris un peu plus de 6 mois toute cette histoire, c'était quelque chose. En vrai, je me suis un petit peu avancé en y pensant parce que dans le tout début de mon projet, les connecteurs peints, c'était pas vraiment populaire à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ça, je suis sûr, ça va, il va y en avoir de plus en plus dans le futur. Bah, heureusement que je m'y suis pris à l'avance, puisque maintenant, bah, il y a à la limite que ça, en fait. Donc là-dessus, on va dire, j'ai perdu du temps, mais au final, non, j'en ai gagné, parce que j'ai préparé ça en avance. La technique avec la peinture en bombe acrylique, c'est pas bon. C'est pas pour la vente, déjà d'une, et en plus de ça, ça tient pas dans le temps, ça craque, enfin, le résultat n'est pas là. C'est pas pour rien que personne n'utilise ça. Un connecteur, c'est tout petit, c'est tout fin, y a des détails, il y a des rainures, et il faut vraiment la peinture la plus fine possible pour, du moins pour obtenir le meilleur résultat. J'avais tenté avec la poudre, c'est un moyen très efficace, puisqu'une fois que tout est recouvert, tu mets ça au four, mais le truc, c'est que moi, c'était trop épais, quoi, le résultat, mais pour moi, c'était pas le pire. Le pire pour moi, c'est par exemple, sur une tournée de 10 connecteurs, je me retrouvais avec plus de la moitié, impossible à dévisser. Tellement bien collé la poudre que même en essayant de faire attention, j'avais des petits problèmes à droite, à gauche, enfin... Je sais que certains sites travaillent avec la poudre, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, bon, moi ça n'a pas marché pour moi, et puis même le résultat, c'est pas ce que je souhaitais à tout prix. Donc je me suis tourné vers la meilleure peinture, et c'est pas pour rien puisque c'est ce que la plupart utilisent, et c'est la meilleure pour ce genre de support, la Cerakote. C'est une peinture céramique très fine, une application géniale et un résultat au top. C'est pas pour rien qu'on peint des armes à feu de base avec, hein. Mais deux problèmes avec cette peinture. Le prix, la préparation. Mon dieu, qu'est-ce que ça demande une préparation très stricte et longue avant de pouvoir peindre. Sablé pour avoir une texture brute, donc une accroche, acétone pour décaper un maximum et enlever toute trace de doigts et graisse, gaz out pour faire évaporer toute humidité sur la pièce, et enfin après, tu peux peindre. Voilà, donc en gros, j'ai quasiment recommencé mon site plus d'une fois pour que ce soit le plus compréhensible possible et le plus simple pour toutes, pour tous. L'avantage maintenant, c'est que je maîtrise comment faire un site, que ce soit un portfolio, un blog, un site e-commerce, j'ai appris plein de connaissances là-dedans, plein de compétences, et en vrai, c'est trop bien, c'est un milieu très enrichissant, et...
assez complexe aussi. Et je vous parle pas des bugs, anomalies, soucis que j'ai pu rencontrer de dernière minute, voilà, puisque mon site, il contient des conditions logiques, donc c'est très compliqué de mettre tout ça en place sans qu'il y ait forcément des soucis, donc ouais. Je pensais pas, mais mon site est quand même assez complexe en réglage, donc si vous rencontrez des problèmes ou des bugs ou autres, même si j'ai fait en sorte qu'il y en ait quand même le moins possible. Bref, si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé, et nous en commentaire YouTube, parce que j'aimerais justement revenir vers vous, pour parler, etc., avoir une communication plus fluide, parce que le souci avec YouTube, c'est que ça marche par commentaire, et le système de notification et tout, pour l'échange, c'est pas intuitif, quoi. Donc le mieux, c'est vraiment de parler de ça entre nous, et c'est plus direct, quoi, c'est mieux pour la communication. Et je souhaitais ajouter deux choses. La première concerne les soucis d'optimisation du site sur les derniers mois suivant la sortie de cette vidéo. C'était tout simplement à cause de l'hébergeur. Voilà, super, merci le temps perdu. Donc j'ai changé d'hébergeur et maintenant tout va pour le mieux. Tout est stable et c'est vraiment ce que je recherchais à tout prix, la stabilité. D'où le fait que toute cette histoire ait pris du temps. Et la deuxième concerne mon activité sur YouTube. Je serai bien plus actif sur d'autres plateformes comme Instagram où je le dédierai à mes câbles custom, clavier, setup, et TikTok je pense pour une duplication des reels que je ferai. Pourquoi m'étendre sur différents réseaux? Rien qu'avec le projet ça va me prendre du temps, je m'en rends compte, donc j'aurai moins de temps pour créer des vidéos YouTube. Mais par contre, des Reels ou des TikTok demandent 10 fois moins de temps pour créer du contenu. Et puis comme moi j'aime bien accentuer certaines vidéos avec des intros stylées et tout, là je pourrais continuer à garder ma qualité visuelle tout en étant actif. Et c'est surtout ça aussi, être actif, car j'ai un peu manqué à mon devoir ces dernières années sur YouTube et j'en conviens. Donc je m'en excuse encore. Donc suivez-moi sur Instagram et TikTok pour découvrir du nouveau contenu et suivre mes prochaines activités, car j'ai pas mal d'idées de ce côté-là. De base, je prévoyais aussi de faire du paracord mouse, mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps et au final, c'était pas vraiment rentable. Après, les autres, je sais pas comment ils font, mais moi, ça me prenait trop de temps et je préférais enlever le service. Après, voilà, moi, j'ai tout le matos, j'ai déjà fait quelques souris pour moi. En vrai, c'est vraiment cool, j'aime bien, mais voilà, je me vois pas vendre le service. En tout cas, peut-être pour des potes... en faire ou quoi, pourquoi pas, mais en tout cas je me vois pas le vendre quoi le service. Début 2022, donc j'ai fait ma collection de câbles, c'est ce que je parlais juste avant avec les thèmes etc, et c'était très long, interminable. Je vais en profiter aussi pour répondre à une question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus eu de vidéo sur les clés avec custom? C'est vrai, je crois que ça fait 2 ans. Pour une simple et bonne raison, je souhaitais sortir mon site avant. Mais pourquoi? Pour faire la promotion de manière quotidienne et naturelle sur les câbles custom. Et quel serait le type de vidéo le plus adapté? Voilà. Sinon, au début de certaines vidéos, ça aurait été genre « Et cette vidéo est sponsorisée par moi-même !» Genre, what the fuck? Le prix de mes câbles, oui, je tenais à me justifier d'où est-ce que je me situe à peu près. Alors il faut savoir, moi je suis sur le haut de gamme. Mon segment en tout cas, c'est le haut de gamme. Donc si tu cherches un câble pas cher avec un petit tournicotis, c'est pas pour toi, va sur AliExpress. La clientèle que je vise, c'est des personnes qui aiment avoir des choses de qualité dans leur setup. C'est des personnes qui aiment avoir des choses uniques pour certains, donc évidemment, je vise un segment précis. Car dans la logique, je me doute que ce soit des personnes qui ont un clavier entre 50 et 100 euros qui vont se dire « Tiens, je vais acheter un câble, c'est le prix de mon clavier ». Après, surprenez-moi, peut-être que je me trompe, mais voilà, peut-être que vous faites un move inverse, en gros vous achetez un câble de qualité avant, et après vous allez changer de clavier après, mais voilà, je fais un stéréotype, mais en tout cas c'est dans la logique, voilà. Pour l'instant, les prix que j'ai fixés sont temporaires, donc on verra comment ça évoluera dans le futur, mais voilà, comme je viens de commencer, pour l'instant c'est ces prix-là, et après, dans plusieurs mois, il se peut que je les augmente de quelques euros, donc en gros, si vous voulez un câble, dépêchez-vous, mais à voir. Dernière chose, j'ai aussi ajouté l'anglais puisque je ne compte pas m'arrêter qu'à vous, ma chère CommuFR. Comme vous le savez, les claviers, les câbles, ce sont tous les deux des hobbies qui sont de base anglophones, donc il est normal que je m'étende à l'international. Mais j'ai quand même pensé à vous, donc c'est pour ça qu'il est aussi disponible en français. Bien, j'ai fini de raconter ma vie, mais en tout cas il était important de vous expliquer tout ça, pourquoi est-ce que ça a pris beaucoup de temps, pourquoi est-ce que mon rythme de vidéo était aussi quasiment à l'arrêt. Maintenant il est temps de vous dévoiler mon site, Cables Hero. Et vous montrer comment ça marche, comment passer commande. Même si j'ai fait de mon mieux pour que ce soit le plus intuitif, c'est possible qu'il y ait quelques options qui peuvent vous poser problème. Bien, alors ça y est, maintenant on se retrouve sur le site. Donc là, sur la page d'accueil, donc c'est comme ça, il y a le bouton « Découvrir la collection ». C'est le bouton, on va dire, que je parlais tout à l'heure. Donc, quand on vient cliquer dessus, voilà, c'est le portfolio où il y a plein d'idées, d'exemples de câbles. On peut voir qu'il y a aussi... certains câbles avec des écritures ici, donc par exemple Bright Turquoise, Carbon, Brown, donc ça en fait
c'est toutes les caractéristiques paracord, techflex et heat shrink, donc gain thermo, pour pouvoir par exemple vous inspirer, parce que je l'ai pas mis en fait dans les thèmes préfabriqués en fait. Donc voilà, mais si vous voulez par exemple un câble qu'il y a dans ma collection, vous pouvez prendre justement les caractéristiques pour les remplir là où je vous montrais juste après. Donc il y a vraiment plein de photos, donc c'est là aussi où je mettrai à jour régulièrement de nouvelles photos, ce sera dans la partie ma collection, donc je vous laisserai vous voir toutes les photos, je vais pas tout défiler, comme ça vous pourrez regarder et vous inspirer pourquoi pas. Ensuite quand on vient un petit peu descendre, on a réalisé votre câble, donc ça en gros c'est vous qui allez en fait faire votre propre câble, donc en gros vous allez choisir votre paracord, il y a le micro qui me gêne, votre paracord, votre techflex, heatshrink, enfin en gros tout, c'est vous qui choisissez vraiment tout de A à Z, la couleur etc. Ou alors, si vous n'avez pas d'idée, vous voulez être inspiré, eh bien vous allez dans câble à thème, et en gros ça sera des câbles qui seront basés sur des sets de keycaps. Là il y a 36 thèmes pour l'instant, c'est déjà beaucoup mais j'en ajouterai régulièrement dans le futur bien entendu. Pour l'exemple je vais prendre France Switch Theme, tiens, j'aime bien celui-là, c'est celui de ma waifu. Donc ici on peut venir passer le curseur, voilà ça zoom, ou alors si vous voulez venir voir en grand vous pouvez cliquer et on voit qu'il y a plusieurs câbles. Ça correspond voilà à chacun ici, donc chacun a un nom, Light Amethyst, Dark Amethyst ou Emilia. Vraiment vous prenez en fait celui qui vous plaît et si vous voulez voir justement un câble de plus près, il y a la petite toupe ici, vous cliquez et vous pouvez le voir en grand. Moi je vais partir sur celui-là pour l'exemple, à savoir que quand vous sélectionnez un câble, ça prend la base de tout ce que vous voyez sur la photo, donc en l'occurrence celui-ci, en gros voilà, le paracord ça sera celui-ci, le techflex celui-ci, le heat shrink, ça c'est vous qui voyez, ça sera à vous de le reconfirmer à la fin, et voilà, ça laisse un petit peu plus de personnalisation, mais surtout ça bloque le paracord et le techflex en fait, en sélectionnant directement un des styles en fait, voilà, comme ça vous n'avez pas à vous occuper de ça. Connecteur clavier device. Donc ça, comme dans le titre, en gros, ça va venir au clavier directement. Donc soit vous pouvez prendre un micro USB Gold, une USB-C Silver ou alors Gold, comme vous voulez. Ou alors un USB-C CNC. Donc en gros, ça, c'est juste la coque qui change, d'accord? Il n'y a rien en termes de performance ou autre. Voilà, c'est vraiment par pur esthétisme. En gros, toutes les options qui vont être de toute façon sur mon site, pour les câbles, tout est une question d'esthétisme. Tout. Vraiment, il n'y a pas de performance en plus ou quoi, voilà, je préfère être clair là-dessus. C'est vraiment de l'esthétisme pur. Connecteur PC host, donc ça c'est ce qui va directement à votre PC, donc le host, je vais prendre pareil. Bobine, donc ça c'est si vous voulez un coil, comme sur les images. Épaisseur de la bobine, donc vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur. Quand vous venez passer le curseur, vous voyez que ça ouvre une lightbox, donc que ce soit sur PC, tablette ou mobile, et c'est pareil. Small, voilà, ça indique les infos, donc en 9,7 mm, donc en 3/8, une en 1/2 ou une en 9/16, donc en large, c'est vraiment la plus grosse. Si vous souhaitez voir la différence de manière réelle, si vous savez pas trop les comparer, il n'y a pas de souci. Vous allez dans FAQ, et ici ça regroupe toutes les questions les plus fréquemment posées, donc s'il y en a encore que justement vous avez et que j'ai pas ajouté justement dans la page FAQ, il y en aura d'autres questions qui arriveront avec les réponses. Donc voilà, il y a vraiment déjà on va dire quelques-unes, donc c'est vraiment la page très importante. Si vous avez une question, rendez-vous sur cette page. Et ici on peut voir déjà d'une, donc voilà, la différence entre un connecteur GX16 et GX12, ça on va y revenir juste après, mais voilà, déjà on peut voir que le GX16, eh bien ça, on peut mettre un heat shrink ici, alors que le GX12, cela ne passe pas. En différence de taille, ça vous permet de voir sur une échelle réelle. Pour revenir à l'épaisseur de la bobine, donc là directement, on voit S, ça représente le premier, M, celui du milieu, et L, le plus grand, donc large. Donc en gros, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Moi, mes préférés, personnellement, c'est les médiums. C'est l'entre-deux, j'aime bien. Mais c'est vraiment un avis personnel. Taille de la bobine, donc là, vous pouvez choisir la longueur. Si vous souhaitez qu'elle fasse, par exemple, 10 cm, 15 cm, 17 cm, donc c'est vraiment la longueur de la bobine, important. En moyenne, vraiment, toutes celles sur Internet, en général, tous les artisans font, c'est 15 cm. En moyenne, donc de 1 jusqu'à 9, eh bien ça fait 15 cm, 15-16, voilà, c'est vraiment la moyenne. Mais ça vraiment c'est comme vous voulez, si vous voulez un plus court ou un plus long, vous avez le choix. Ensuite le sens du câble, donc l'avantage c'est que là vous avez directement des images, comme ça voilà, c'est beaucoup plus parlant que si j'aurais mis que du texte, ou là ça aurait été un peu plus compliqué. Je sais que certains ne mettent que du texte, mais moi je trouve c'est pas vraiment intuitif quand quelqu'un n'est absolument pas dans les câbles custom quoi, donc c'est pour ça. C'est pour ça d'où l'importance que je voulais absolument mettre des images pour que ce soit bien plus parlant pour tout le monde. Donc
le plus connu, c'est le 90 right straight, donc en gros ça part vers la droite, c'est tout droit, ou alors l'inverse, 90 left straight. Donc là c'est qu'il y a un connecteur juste après l'USB-C et avant le coil, voilà, c'est juste la petite différence. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez, mais après libre à vous de vous inspirer avec ce que vous pouvez voir aussi sur internet au niveau du sens du câble. Ensuite vous sélectionnez sa longueur. Connecteur, quelle est la différence entre tous ces connecteurs? Alors déjà, il y a les FEMO. Ils ressemblent un petit peu à des bâtons sabre laser Star Wars. Pareil, ici, c'est par pur esthétisme. Encore une fois, j'insiste, puisque je sais qu'on va me demander c'est quoi la différence entre tel ou tel truc. Voilà, les connecteurs, pareil, c'est d'esthétisme. Alors l'avantage des FEMO, c'est que eux, c'est des push-pull. Donc en gros, vous avez juste en fait à les déclipser et à les reclipser. En fait, ils se reclipsent tout seuls, en fait. Il y a un petit bitonio à l'intérieur. Comparé au GX16, où eux, en fait, eh bien, il y a une bague au milieu où faut dévisser avant de pouvoir l'enlever. Et le remettre, revisser après, voilà, c'est la seule différence. Pour les YC8, et eh bien c'est pareil que les FEMO, c'est des push-pull. Les GX12, c'est comme les GX16, ils sont juste un tout petit peu plus petits et donc un style différent. J'ai fait en sorte que tous les câbles de couleur ici, eh bien ça corresponde au thème respectif. Donc là voilà, le thème Frost Witch du thème GMK, ça sera basé en tout cas sur ces couleurs là. Après voilà, je pourrais en pareil en ajouter dans le futur. Mais en tout cas, s'il y a une couleur que vous n'avez pas ici et que vous souhaitez à tout prix, eh bien vous pouvez justement, pareil, dans la petite partie info, me dire quelle couleur de connecteur vous souhaitez. Bien entendu, si je le propose. Vous pourrez retrouver dans charte de couleur, pareil, j'en ai pas parlé, dans charte de couleur, voilà, tous mes tech flex, tous les paracords, toutes les gaines thermo et toutes les couleurs des connecteurs que je propose sur mon site. Donc Cerakote mat satin. Si par exemple il y en a l'un d'entre eux que vous souhaitez, eh bien vous pouvez me le dire justement tout en bas dans la fiche produit. Enfin, pour la partie commentaire, je veux dire dans la commande. Et il y a les bagues, donc ça c'est pour donner un petit accent de couleur à votre câble et aussi à votre setup, quoi. Donc vraiment, il y a plusieurs couleurs. Encore une fois, faut que ce soit respectif au thème du câble. Et ensuite, la gaine thermo, donc ça c'est vraiment ce que je venais parler en fait à la fin. Donc comme sur l'image, c'est en violet, c'est vraiment ce qui vient ici, au bout en fait. Juste avant le connecteur. Add-on gain thermo. Donc s'il y a des options en fait que vous comprenez pas, pareil, il y a un petit point d'interrogation, vous passez le curseur dessus et ça vous donne plus de détails en fait pour chaque option. De toute façon, voilà. Non, oui, on voit ici, c'est autour du connecteur, un petit morceau de gain thermo. Donc est-ce que vous voulez justement ajouter un petit morceau ici pour donner un accent, encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi je sais que j'aime bien, ça fait classe, mais voilà, encore une fois, ça dépend de chacun, c'est votre avis. Moi j'aime bien, donc moi à chaque fois j'en mets un. Si vous avez quelque chose à dire en plus, c'est ici qu'il faut me le marquer. Donc vraiment, vous mettez vraiment vos informations supplémentaires, quoi, si vous avez quelque chose à dire, et comme ça moi je pourrai en tenir compte justement pour votre commande. Donc bien entendu, faut que ce soit quelque chose de faisable. Si vous n'êtes pas trop sûr, veuillez me contacter avant, que ce soit en privé, sur Discord, Insta, voilà. Peu importe, contactez-moi en privé et comme ça au moins, on pourra voir ensemble de ce qui est possible ou non. Encore une fois, voilà, dans la description ici, il y a le lien de ma page FAQ, donc en surbrillance en bleu. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous redirigera directement, comme ça, ça vous répondra à un maximum de questions, quoi. Une fois qu'on a tout ce qu'on veut, on a notre récapitulatif dans notre panier, juste ici. Donc ça, voilà, les câbles à thème, je trouve, c'est le meilleur moyen de quand on n'a pas trop d'idées. Voilà, on aime bien, par exemple, un thème, on se dit, tiens, j'aime bien ça et j'essaierai peut-être me choper les keycaps, ou alors, peu importe, quoi, j'aime bien ce thème-là, donc je voudrais un câble comme ça. C'est le meilleur moyen, vraiment. Donc si vous voulez faire votre propre câble en sélectionnant le paracord et le TechFlex, vous allez dans réaliser votre câble. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, dans la partie préfabriquée comme je viens de vous montrer. Mais là, si vous voulez vraiment tout faire vous-même de A à Z, eh bien vous pouvez choisir donc câble détachable avec bobine, ou alors si vous voulez un câble détachable sans bobine, donc c'est pareil, mais voilà, sans bobine comme indiqué, ou juste un câble détachable device. Donc en gros, c'est juste cette partie là, donc ici. Si vous voulez un câble pour votre smartphone ou manette, eh bien vous pouvez aussi avoir juste un câble droit, ou sinon pour modifier juste la partie host du câble, donc moitié de câble détachable avec bobine. Donc en gros, c'est ce qui vient compléter celui-ci. Comme ça au moins vous avez le choix en fait de pouvoir modifier soit la première partie ou la deuxième partie si dans l'avenir vous souhaitez acheter un deuxième câble, changer la couleur. Ou alors si vous n'avez pas trop les moyens, ce qui était mon cas dans les débuts justement quand j'ai acheté mon premier câble chez Zapcable, j'avais pas les moyens pour m'acheter un câble avec un connecteur, donc comme le premier. Donc du coup j'ai pris un câble tout simple avec une bobine parce que j'en voulais une. C'est juste un câble USB-C qui va directement au PC, mais sauf qu'il n'y a pas de connecteur en fait. Mais imaginons qu'on veut un câble standard, on va dire la moyenne, donc un câble avec un coil et un connecteur. Donc on vient choisir ici les connectiques qu'on souhaite, encore une fois, l'épaisseur toujours, et c'est ici où voilà, paracord device. Donc là, important, device, c'est vraiment la première partie, donc en gros à l'USB-C, voilà, toute cette partie là où vous voyez mon curseur, c'est device. Et ça,
La deuxième partie du câble, c'est host, très important. Donc vous sélectionnez la couleur du paracord pour le device. Donc imaginons, moi je vais prendre le même que sur la photo, celui-là, néon pink. Et ensuite la couleur du TechFlex, donc ce qui vient par-dessus, voilà, pour faire le double sleeving. Paracord host, donc ça c'est la deuxième partie du câble, le deuxième TechFlex. Donc en gros, pourquoi est-ce que c'est indifféré justement? Bah si vous souhaitez en fait une première partie d'un câble d'une couleur et la deuxième partie d'une autre, eh bien vous pouvez. Par exemple, un device blanc et le reste en noir, vous avez la possibilité. C'est vraiment pour avoir le plus de possibilités possible au niveau de la customisation en fait. Ensuite, vous choisissez encore une fois votre connecteur. GX12, gain thermo, donc ça c'est encore une fois la fin. Alors bien entendu, comme mon site il possède des conditions logiques, si vous par exemple vous souhaitez revenir en arrière, ah non je veux pas de GX12, je souhaiterais un GX16, voilà. La partie gain thermo elle n'est plus proposée, donc c'est pour éviter que vous soyez perdu ou qu'il y ait des choses qui ne soient pas compatibles, voilà. J'ai vraiment fait tout en sorte pour que ce soit le plus intuitif et simple pour vous, vraiment. Donc la couleur du connecteur, voilà. Il y a aussi des connecteurs en poudre, donc ça c'est ceux que j'ai gardés justement, qui sont encore en très bon état, qui sont vraiment en grade A+. Et là on arrive à la couleur de la bague. Alors, comme sur la photo, thread bag, donc en gros, là je le montre bien avec une flèche, encore une fois, les images, c'est très important. Là vous allez sélectionner la couleur de la bague. J'ai mis des connecteurs en photo, c'est parce que je n'ai pas les couleurs de toutes les bagues, c'est pour ça. Par exemple, si vous la voulez en noir, vous venez sélectionner noir, mais ça sera bien entendu la couleur de la bague, très important. Et à la fin, gain thermo, donc c'est ce qu'il y a au bout. Si vous voulez un morceau de gain thermo autour du connecteur ou non, donc un add-on gain thermo, c'est toujours un plus. Donc voilà, vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez votre câble, et ça c'est vraiment cool. Informations supplémentaires, si vous avez des informations à ajouter. Une photo à me montrer, donc ça c'est si par exemple vous avez une idée, vous avez vu un câble sur internet, vous souhaitez justement avoir exactement le même, mais vous connaissez pas le paracord, ni le TechFlex, ni autre chose en fait. Voilà, mais vous voulez vraiment celui-ci, vous pouvez, on va dire, uploader la photo. Donc bien entendu, si il n'y a pas, on va dire, le paracord, etc., comme sur la photo montrée, contactez-moi avant, voir si c'est possible ou pas. Mais voilà, si vraiment, en tout cas, vous voulez exactement les mêmes caractéristiques et que vous n'êtes pas trop sûr, j'en tiendrai compte au niveau de votre photo et je ferai exactement comme la photo, en fait, si possible. Ça sera à vous, en fait, d'argumenter, en plus de votre photo, dans les informations supplémentaires. Donc ça, c'était pour la partie réaliser votre câble. On a vu câble à thème. Maintenant, la partie group buy. Donc ça, ça sera dans le futur. Ça sera vraiment des câbles en édition limitée si jamais, voilà, il y aura des collaborations avec des designers, donc ça sera des câbles en gros buy, comme avec les keycaps. Key DIY, alors ça je vais pas en parler dans cette vidéo, je vais en parler dans la vidéo de la semaine prochaine, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être tenu au courant, mais c'est quelque chose de très intéressant. Pièces DIY, donc c'est vraiment toutes les pièces à acheter une par une, si par exemple il vous faut juste un USB-C, un USB-A, un connecteur, ou alors un connecteur lightning, de la gain thermo, enfin voilà. Bref, toutes les pièces une par une, eh bien seront disponibles ici. Il y a aussi des connecteurs en bistock, donc en gros c'est des connecteurs, on va dire, de qualité grade B au lieu d'être A, donc en gros c'est ceux qui présentent quelques défauts, mais qui sont toujours utilisables quoi, donc vraiment voilà. Et bien entendu ils sont vendus moins cher. Mes services, alors ça aussi c'est une nouveauté, je ne fais pas aussi que des câbles custom, je propose aussi des services. Comme je l'indique ici, voilà, je vais faire un service de lubrification de switch et aussi un service de montage de clavier custom. C'est quelque chose en tout cas qui a été demandé, et puis même moi je voulais aussi le faire de base, comme ça au moins maintenant pour ceux qui veulent, et eh bien ça y est, c'est enfin disponible, c'est surtout ça. Un truc important, c'est de lire la description pour bien prendre connaissance de tout ce qu'il y a à savoir, bah justement tout ce qui inclut dans ce service ou autre, et voilà, ça peut notamment répondre à certaines de vos questions, donc lisez tout ça, c'est important. Quel switch souhaitez-vous faire lubrifier? Moi en l'occurrence je possède des tangerines actuellement. Combien il y en a? Donc ça à vous d'indiquer le nombre de switch à faire lubrifier. Est-ce que vous voulez un lubrifiant spécifique? Ça c'est à vous de choisir, ou sinon si vous ne savez pas lequel choisir, vous choisissez la dernière option, qui est sur une dose d'humour, hein, bien entendu. Si vous souhaitez que je filme vos switch, pareil, faut l'indiquer. Mais en tout cas, très important, si vous sélectionnez oui, ça sera envoyé en même temps que vos switch. Et si vous ne savez pas quel switch, quel film pour vos switch choisir, eh bien, contactez-moi en privé avant et on pourra en discuter et choisir ce qui est le mieux pour vos switch. Ensuite, votre localisation, si vous êtes en France ou dans un autre pays, à l'international, c'est possible. En fait, c'est juste pour payer la partie frais de port au retour, en fait. On voit tout ça, en fait, sur cette même page. Il n'y a pas besoin que je vous renvoie un devis, machin ou quoi. Bref, non, c'est plus facile pour vous
C'est plus facile pour moi et c'est mieux pour tout le monde. Et ensuite, si vous avez des informations supplémentaires, encore une fois, je vous laisse indiquer ça ici. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce service. Après voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me revenir vers moi en privé encore une fois. Pour la partie montage clavier custom, il n'y aura pas le bouton ajouter au panier. Là, c'est vraiment un devis. Donc en gros, vous remplirez toutes vos informations et après, vous aurez juste à cliquer sur envoyer. Et en gros, moi, je reviendrai vers vous par mail. Donc vous aurez juste à indiquer déjà le layout, donc surtout préciser si c'est sur un 60%, si c'est un 61 touches, un 64 touches, s'il y a besoin de soudure au PCB, donc si votre PCB est hot swap ou non, les pièces choisies, donc là vraiment détailler vraiment un maximum de toutes les pièces de ce qu'il y a à savoir, si vous souhaitez que je mod vos stabiliseurs, un mod case, si vous souhaitez que j'ajoute ou non le PE foam et le tape mod, ça c'est comme vous voulez pour tout ça. Et s'il y a besoin ou non de lubrifier vos switch, encore une fois c'est vous qui voyez. Bien entendu, faudra envoyer ce formulaire et commander le service en même temps. Dans la partie information, il faudra à tout prix indiquer cette phrase là plus inclure votre mail pour que je puisse identifier plus facilement le lien entre vos deux commandes, c'est important. Pour revenir sur les modes, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? En description, j'indique en détail chaque mode, donc au moins vous savez ce que chaque mode inclut ou non. Et bien entendu, lisez tout ça, c'est très important vraiment pour prendre bien connaissance et savoir ce qu'il y a vraiment à savoir pour ce service encore une fois. Si vous souhaitez me contacter par mail, pareil, il y a un formulaire de contact, donc vous aurez juste ici à remplir ce qui est demandé puis à envoyer votre message. Voilà, donc le site il est encore tout neuf. J'attends avec impatience tous vos retours, tous vos avis, et puis voilà. J'espère qu'il pourra évoluer, justement, avec vos retours, et ce sera le but. Voilà, c'est la fin de la présentation de mon site. Surtout, si vous avez des questions, car je sais que vous en aurez, je vous invite à rejoindre mon Discord pour parler de câbles, de claviers, envoyer une photo, de votre setup, peu importe, que vous soyez français, anglais, encore une fois, peu importe, vous êtes tous les bienvenus, tout est en description, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, un très grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt, je l'espère, sur Cables Heroes.